You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Salut, c'est Dyspraxis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de cette semaine. On se retrouve sur Warhammer 40 000, Space Marine. Et on va jouer au mode campagne de ce jeu, dans lequel on incarne un garde de la... Alors, l'intro vous le dira mieux que moi, c'est ce qu'on va faire. Voilà, j'espère que vous apprécierez cette vidéo. Je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux et il faut continuer. Et on sera encore de plus en plus nombreux. Il va bientôt y avoir des changements. Et oui, des changements. Alors, je ne sais pas le niveau... j'ai plus envie de me faire plaisir et de jouer en easy, mais pour vous, parce que j'ai pas peur, on va le faire en normal. Et je précise également que nous sommes sur PC cette fois-ci. Bon, la vidéo va être trop longue si je laisse l'intro malheureusement. Voilà, juste ça. C'est un jeu auquel j'avais joué sur PS3 à l'époque et que j'avais envie de retrouver. Et qui n'est visiblement pas en français, mais ça ce n'est pas grave. Allez, j'ai envie de défoncer du gobelin ou je ne sais quelle créature de ce jeu sans attendre. De gobelins hideux. Reload. On est donc un Space Marine et qui va bientôt crever si. Voilà, donc je connais pas énormément le jeu parce qu'à l'époque je jouais juste à dégommer des gens. Voilà, donc on va essayer de rentrer un peu dans le jeu, sachant que je ne sais même pas ce qu'on pourrait potentiellement faire. Je sais qu'il y a 4 missions, donc peut-être que je ferai un let's play dessus. On avance, ils ont défoncé le mur. Alors, contrôle. Oh, pardon, excusez-moi, je n'avais pas vu. Ok. R to reload. Ils nous le disent enfin. Depuis tout à l'heure où il y a marqué reload. Oh. Je ne sais pas qui a envoyé ça, mais merci. Meurs. Retourne dans ton trou, créature hideuse. Olé, quand les jeux récents perdent leur couleur, c'est pas bon. Qui a osé me tirer dessus, bordel. Putain, recharge. Allez, reprends des couleurs, reprends des couleurs. Ça, c'est bien. Ça, c'est mon petit Space Marine. Connard.
On recharge. Ok, donc pour le moment on défonce des gens et on explose des barils hein, dans l'idée. Ok, j'ai qu'une arme pour le moment. Je crois que j'avais joué qu'à la démo, hein, accessoirement sur la PS3. Donc ne me reprochez pas de pas connaître l'histoire, je. Oh purée. Ah, il veut qu'on dégage de son bateau. Enfin, de son navire, en fait, plus précisément. Meurs! Alors là, comment vous dire? Ah! C'est la PLS! C'est la PLS! Là, vous pouvez le prochain objectif à détruire. Ah non, pas les gros. Allez, on fonce dans le tas. On risque la mort, mais ce n'est pas grave. Alors en plus je m'enfuis et en plus je me fais tuer comme une victime. Mais tout va bien. Allez. On va mieux jouer. Mais je suis en mode normal, je connais pas trop le jeu. Parce qu'on a un truc comme... Reach the surface of forge. Ok, je pense que ça veut dire en gros nettoie la surface. Est-ce qu'on recommence tout depuis le début? Oui. Oh non. Oh, ça c'est chiant ça. N'approchez pas! Meurs. Alors là, non, je ne veux pas de commentaires là-dessus. Ah, m'énerve pas. Mouse 5, c'est quoi ça? Ah. Ok, c'est bon à savoir. Il est avec moi ou comment ça se passe? Ça dure pas énormément. Et je viole ton cadavre à cheval. Et je viole ton cadavre à cheval. Voilà. Bon. On va forcément faire exploser le truc avant. On perd pas une heure cette fois-ci, voilà. Alors. Oh oui, viens toi, viens. Vas-y, bats-toi pour moi contre les autres. Non, c'est pas ça que ça fait. Bon bah. Massacre à la tronçonneuse, le remake. Bon bah je vais te finir à la tronçonneuse dans ce cas-là. Alors. Là. Voilà, tu meurs et tu fais pas chier, tu comprends ça? Voilà, donc ça c'est le gros molos là, de métal qui m'a ratatiné la gueule.
Alors, je propose un recul dans la zone de combat précédente. Ça me donnera peut-être l'avantage. Est-ce qu'il n'y a pas un bug comme quoi ils viennent pas ici? Ah merde, non, non, il n'y a pas de bug là. Tu veux qu'on joue à tir pigeon? On va jouer à tir pigeon alors. Ah bordel. Alors de la même manière, hein, je m'en sortais mieux dans l'autre zone. Oh, en fait c'est un jeu de boucher. Ouais, y a pas de problème. Oh bordel, quand tu t'en sors pas avec le flingue là tu fais... Ok, souris gauche, ça marche pas. Allez, on va en souris droite. Alors, chance qu'ils m'en envoient d'autres. Alors, eux, to rotate. D'accord, on l'a fait tourner et on va la tourner contre le vaisseau. Ou contre le mec. Objectif complete. Oui, on a complete un objectif. Alors, est-ce qu'il va y avoir un truc à faire? Wow. Et on est en vie. On est le super soldat. Warhammer Space Marine, début du jeu. Captain Titus, come in. Damned Orc shot me off course. I've had no word from Leandros, but I'm picking up Vox chatter from Imperial Guard forces on the ground. I scarcely thought anyone would be left alive. Less still fighting. Heading towards the front lines now. I will meet you there. Chapitre 2. Alors oui. Allez au rendez-vous avec l'équipe. Alors. Les gars, vous êtes où? Oh, bullshit. Salut. Je fais que passer. Non, vous voulez pas? Je vous ai laissé une chance, hein. J'ai tiré à côté quand même. Bon, c'est pas que j'ai rendez-vous, les gars, hein, mais vos chances de vous en sortir face à moi sont quand même assez minces. C'est là que la démo. The 900 Godwin Pattern Space Marine Battle Rifle. Ok. Il y a eu un bug, j'ai pas eu le temps de lire. Rouge. Je l'ai vu passer. Venez les gars, j'ai une nouvelle arme. Ouh, ça a l'air efficace.
Mais on va rester sur le Bristol. Ça ne m'a pas l'air d'être balle illimitée. Est-ce qu'il y a d'autres choses à récupérer? Non. Pourquoi on n'a pas de map? Alors. Bon, de toute manière, je ne pense pas pouvoir remonter. Donc je pense que j'étais pas loin du rendez-vous en question. Qu'il faut que je trouve juste comment avancer. Le moment que je déteste le plus, quand je bloque dans un jeu. Ah, bah déjà quand j'entends ça, c'est pas bon. Ah, c'est bon dans le sens où on avance, mais... Quelqu'un d'autre veut discuter avec moi là? Ah ouais, non. Alors... Moi, je voudrais bien prendre le contrôle d'un d'eux pour... Alors, comment vous expliquer, Caporal? Je prends très cher. Crevez, bande de crapauds. Ah. C'est la PLS. Oh. Et merde, voilà. Quand je disais que c'était la PLS, c'est que c'était la PLS. Le petit bug là, le mec il court contre mon cadavre. J'ai peut-être été un peu trop imprudent en avançant comme ça. C'est parti. Ok. Alors, hold left control. Oui, d'accord. On recharge, messieurs. Putain, mais crevez, mon deux bâtards, ou alors ils sont 30 000, mais... Toi là-haut, tu crois que je t'ai pas vu?
c'est un peu moins vivant comme gameplay, mais en même temps de base, si je refais comme tout à l'heure, je vais crever. Oh. Ok. Et à quel moment tu crèves pas quand c'est comme ça? C'est toi qui va devoir te rapprocher si tu me veux. Tant que je crève pas, tout va bien. Vous êtes venu nous faire chier. Ah, cinématique. On n'a pas encore revu la grosse machine de tout à l'heure. Le mec il a pris de la drogue là, sérieux. Faut continuer. Encore? Ok, c'est des petites merdes. Alors on va envoyer du lourd avec la tronçonneuse. Messieurs, camarades de l'Alliance, vous avez avancé avant moi? Sidonus picked up local Imperial Guard communications. They survived under the shadow of that gun. I want to know how. Ah, des soldats normales. On va les aider. Non, Jackson, je devais te ramener à ta femme. Venez là, bande de monstres. C'est la guerre. Ok, quand c'est la guerre comme ça, on tire pas. On massacre à la tronçonneuse. On prend pas le temps de viser. Allez. Ah. C'est bien, je peux pas laisser mes alliés au moins. Vous êtes plus bas que terre. Ouais, c'est normal, c'est mon métier, je fais ça tous les jours. Vous avez sauvé vous-même. Nous pensions que vous l'avez. Nous serions, mon lord, si ce n'est pas pour le lieutenant. Où allons-nous trouver ce lieutenant? At the front lines. Follow the trench network to the lieutenant's command bunker. Carry on, guardsman. Hey. Through here, my lords. Head out the upper level and continue through the plaza. The bunker is beyond that. D'accord, il y a plein de trucs à faire avec ça. Là. Oh. Peut-être continuer par là. Je crois que c'est nos âmes décédées.
Évidemment. Captain, I'm in position at a broken monument near the guard lines. Ouais. Ok, objectif complete. Alors, il y a déjà des nouveaux gens. Ah, cinématique par contre. Sergeant, I see you found something to keep you busy. Worry not, Captain. Ne vous inquiétez pas, capitaine. J'ai sauvé des orques pour des orques pour vous. Typical orc behavior would be to dismantle or destroy the gun, and certainly not use it to keep our forces at bay. There's a strategy behind it. Their leader is no fool. This day is getting interesting. I may have encountered the orc during our jump to the surface. That was the orc ship I saw crash near here, I take it. Did he survive? If the horde hasn't turned on itself, it's still under his control. Alors, ok, nouvelle épée débloquée. Allez, venez là, bande de petits PD, je vais vous faire rôtir le cul. Rôti cuit supérieur. Ne pas me tromper. Les gars, vous êtes où? Je viens vous aider. On est surentraîné. On va faire un reload. C'est parti. 30 kilos de jambon et d'orques, ça vous intéresse? Je suis bouché. Il prend pas ses balles. Ok, on n'est pas chez nous. Gauche ou droite, je ne sais pas. Peut-être que ça mène au même endroit. Nos soldats sont là. Wow. Ouais. Je déteste dans les jeux quand il y a des animaux attachés à une bombe. Ils sont super chiants à éviter en général. Ils me suivent. Y a-t-il moyen d'ouvrir cette caisse? Eh bien non. Dégage. Erreur de la nature. Allons bon, qui c'est qui nous tire dessus encore? Gardien de la galaxie et gros fouteur de merde. Ah, ça c'est bien ça. C'est le petit qui se met au milieu. Et du coup, on peut... Ah, des grenades, ça c'est bien. Je sais pas encore comment les lancer, mais... Je suis trop près. Ah non, je suis pas trop près en fait, c'est parce que là-bas c'est à nous. Vous êtes plus que deux, vous croyez que vous allez faire quoi? On ne fait pas reculer Dysfraxix. Fait vraiment pitié. C'était le feu d'artifice.
Oh là là. Tenez vos positions. Mais c'est des petites merdes. À l'attaque sur les petites merdes. Ah, il y a des grosses avec. Ça va être le bordel, mais on va s'en sortir, messieurs. Et une saucisse, une. Ah, ils sauteront au nombreux, j'arrive pas à le dire. Ils sautent, c'est ça qui est. Ils sont trop nombreux, messieurs, voilà, j'ai enfin réussi à le dire, bordel. Après Boucher Simulator, il y a Cadavre Simulator, enfin, faut leur demander à eux. Hein. Oh. Ah ouais, hein. Ah là là là. Va falloir tenir. Vous ne m'aurez pas. Ils vont m'avoir. On peut encore le faire. Purée, ils étaient tellement nombreux. Ok, alors. On fait pas le con. Ça, c'était faire le con. Voilà, là il nous casse plus les couilles, lui. Voilà, faut tenir, les gars. Alors attendez, quelle est la touche pour lancer une grenade? J'en ai peut-être pas encore récupéré en vrai. Ah! Remonte plus vite la vie. Ah mais c'est eux là-haut là, ils font chier. Oh putain, alors là. Oh merde, fait chier. J'allais dire, tiens, je suis sorti de l'auberge. Vas-y, viens, 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 n'aie pas peur, n'aie pas peur.
Ok, je vois. J'espère que je reprends au moment où le gros rouge arrive. Si c'est pas le cas, par contre, j'arrêterai la vidéo là parce qu'elle serait super long. Ok, bon, on va laisser tomber. C'était un super jeu. J'ai pas encore trop bien compris le contexte et tout, mais je m'y plais bien. Voilà, donc je pense que je referai une vidéo dessus. Avec un meilleur micro, puisque j'ai toujours le problème actuellement, et que ce sera bientôt changé, je vous en dirai plus dans les prochaines vidéos. Voilà, j'ai bien aimé cette vidéo, j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à vous abonner. C'était Dyspraxix, à la prochaine. Salut, c'est Dyspraxix, on se retrouve sur mon outro, que vous retrouverez à la fin de chacune de mes vidéos maintenant. Je l'ai réalisé moi-même, et elle vous informe que vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Google+, et que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Mais ce n'est pas tout, vous pouvez également regarder la dernière vidéo que j'ai sortie. Et si le cœur vous en dit, laissez un commentaire, j'y répondrai. Allez, à la prochaine.